lights of fashion, screams of passion, self-control, losing traction. Every action, there's reaction. Electro soul satisfaction. 1, 2, 3. Bravo à vous. Réaction de notre jury à présent. Malika, tu commences ? Bah, tout d'abord, bravo. Un show qui était un duo qui était dans l'ensemble bien réglé, avec des petites touches d'humour. Voilà, sympa. Une partie pop qui était aussi sympa. Et j'aurais bien voulu voir une petite différence entre le swing du pop et celui du locking, c'est-à-dire qu'on passe d'une gestuelle qui est assez rigide, et j'aurais mis un petit peu plus de groove dans le locking, un petit peu plus de swing, mais il est vrai que la partie locking venant à la fin, il y a la fatigue qui rentre en compte, etc. Mais ce n'est pas excusable, mais dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment parce que ce sont deux danseurs remplis d'humilité qui ont proposé quelque chose qui était correct et qui est représentatif pour moi de la old school et de la culture urbaine. Donc voilà, je suis assez content. Très positif donc pour Malika. Bruce ? Ouais, c'est vrai qu'ils sont arrivés peu sûrs d'eux, et du coup on s'est dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Et en fait, bah, moi j'ai été agréablement surpris, déjà rien que le départ, je trouve que ça commence différemment de plein de duos qu'on a vus, donc c'est pas mal, ça reste très frontal, c'est un peu dommage, l'espace scénique n'est pas exploité à son maximum. C'est pas trop grave, mais quand même essayez d'y penser pour les prochaines fois. Après, en termes plus techniques, je pense que le groove en pop et en lock, il doit être là. Après, surtout en lock, c'est le up and down. Le up and down qu'on retrouve dans la soul dance, mm-hmm. Tu vois, tous les trucs relâchés comme ça. Et là, on voit pas les différences de niveau. Pareil pour le wrist roll. Wrist, en anglais, poignet. Roll. Donc ça, tout ce qui est comme ça, bon, moi, je suis pas un locker, mais bon. Alors, en tout cas, ça manquait un peu de précision, j'ai trouvé. Dans la vitesse par rapport à la musique, mais bon, après ça c'est des détails pointus. Pour le téléspectateur lambda, il va pas regarder ça, mais c'est vrai que nous on regarde ça, quoi. Mais bravo donc. Amel, tu conclus ? Alors, moi personnellement, j'ai été touchée par ce couple. Vous êtes ensemble dans la vie ?
Oui. Ah, mais ça se voit. Ça se voit. Eh ben, je trouve qu'il y a beaucoup d'amour, hein, dans cette chorégraphie. Ça se voit. Il y a plein d'amour. Il y a une volonté de bien faire. Vous avez beaucoup bossé. On a l'impression, en tout cas, que c'est bien bossé. Moi, ça m'a plu. Et j'ai aimé la cascade, là, la roulade, la roue. Hein? Ça, c'était chambé, ça. Tac. Voilà, rien que pour ça, je mets... Je peux maintenant ou pas? C'est pas maintenant. Je mets. T'inquiète pas, je mets. Elle a mis du vert d'entrée de jeu.